Salut tout le monde, Mouyam, et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay à la Pharo. Donc on va être un match mort par équipe hardcore. Donc je vais vous faire voir vite fait un peu ma classe. Donc voilà, avec viseur Elo, balle blindée, poignée ergo et tir rapide. Faut savoir que la Pharo, quand même, en hardcore, elle fait vraiment très mal. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'elle a un temps de réaction très rapide, elle est nerveuse. C'est-à-dire que tu appuies et tu vises, et vises très rapidement. C'est d'ailleurs une mitrailleuse légère, comme un peu. Comment dire ça? Je ne sais pas. Comme un peu. Je vois pas beaucoup d'armes qui la correspondent. Bon, voilà. Donc on va tout de suite commencer la partie. Allez, voilà. Allez, alors attendez 2 secondes. Oh putain, il faut que j'ouvre ma fenêtre parce que sinon. Sinon mon ordinateur gueule. Mon ordinateur gueule. C'est parti. Aujourd'hui j'en profite, c'est le jour double XP d'armes et double XP normal. Allez, alors. Fais voir où se cache. Les messieurs. Pompe, premier kill à moitié raté. Et c'est un kill quand même. Je n'ai rien à battre. Par contre, je vais pas m'attarder là-bas. Alors, moi, j'ai une particularité, c'est que dès que je meurs. C'est-à-dire que j'essaie de tuer et tout de suite après je meurs. Donc, j'essaie de me le piquer un peu plus. Moi le hardcore c'est mon truc on va dire. Là je sens tellement que je vais me faire buter. Voilà, donc voilà. Des fois voilà, il y a des. Alors franchement la Pharo elle est vraiment bien pour l'hardcore. Pour l'hardcore. Voilà, elle est franchement bien. Bon, des fois si je fais pas des kills, c'est justement qu'il joue comme une. Comme une merde. Oh non. Voilà, donc je vais essayer quand même de m'appliquer un peu. C'est bizarre que je sors premier alors que je fais un peu de la bouse. Ok. Jolie la triple, mais. Ok, donc voilà, comme vous voyez la Pharo, elle est vraiment réactive, elle est vraiment nerveuse. C'est pas une arme. C'est pas une arme banale, elle est vraiment très nerveuse. On peut vraiment faire beaucoup de kills. C'est un peu comme avec la Kuda. Mais un peu plus réactive. Alors après il y a un niveau de comment ça s'appelle d'agréabilité, ça n'existe pas, mais c'est la Kuda est plus agréable je trouve à jouer. Celle-là elle est beaucoup moins agréable, mais elle est quand même mais elle est plus nerveuse celle-là. Voilà, il y a vraiment les défauts et les avantages. La Pharo je l'aime bien parce que je peux faire beaucoup de kills. Ok, lui il avait un gilet pare-balles. Donc voilà, il y a vraiment un niveau de nervosité qui est vraiment très élevé sur cette Pharo. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment très 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 sympa pour l'hardcore. Après, le MME pas tellement besoin parce que les MME, parce que le hardcore, si tu veux, c'est premier qui voit, premier servi. C'est-à-dire que l'autre il meurt direct. Alors que les MME, pas tellement que ça. Les MME, c'est pas tellement ça. C'est plus. C'est plus. Comment dire ça C'est plus. Voilà, on a. Il faut vraiment se concentrer plus. Il faut vraiment avoir le viseur dessus. Ouais, oh merde. Bon, 11-14 pour l'instant, ça va, je me démerde, j'aime bien faire des ratios de 1, mais bon, 80, ça va. Les traites n'ont rien à faire ici, j'avais le CDP, ouais. Parce que Black Ops, il dit, dehors, les racles ratio, tout un truc comme ça. Ok, donc lui, je n'ai absolument pas vu. Alors, là, vous voyez ce petit camouflage sympa, c'est le camouflage infrarouge. Il est vraiment très sympathique. Eh merda. Eh putain, il y en a qu'un d'HCXD sur toute la map, c'est moi qui me le prends.
Voilà, t'as pas ça dans la gueule. Oh non, oh non. Bon, déjà on a un ratio de 0,72 qu'on a fait. Allez. Toi, tu feras pas long feu, je te l'avais dit. Oh non, il m'a eu. Oh, sérieux. J'étais sur leur spawn, j'aurais pu leur faire vraiment très mal. Mais bon, ils ont pas voulu de moi. Donc, bah, tant pis, hein. Alors là, je suis vraiment très gaffe. Et merde, ils spawnent là-bas. Ça me casse les pieds quand je vais dans leur spawn et qu'ils changent. Affreux. Bon, bref. Donc, bon, ouais, 0,85, c'est pas mal. Alors, le viseur et loup, il est vraiment pas mal. Oh non, sérieux. Il est vraiment pas mal. Franchement, il est assez, c'est assez sympa. Moi, après, on peut pas le personnaliser, mais bon, si on veut le personnaliser, il ressemblerait plus au viseur réflexe. Donc, voilà. Ah. Alors, j'ai acheté le Season Pass, donc je vais vous faire quelques maps. Merda. Il avait l'armure cinétique, le con. D'où? D'où? Il avait l'armure cinétique. Et donc voilà. Toi, t'aurais pas fait l'enfant non plus, mais. Là, on va monter en haut. Voilà, franchement, elle est pas mal du tout. Elle est même pas. Alors, je sais pas ce que j'ai comme. Non! C'est pas possible. J'avais un drone, mais je l'ai pas utilisé. Évidemment, c'est moi qui me fais tuer à la kill cam, hein. Voilà, joli la killcam à la Vesper. La VMP. Qu'est-ce que je dis la Vesper? Ça. Pourquoi je dis la Vesper? Je suis complètement fou, mais bon. Ah oui, donc du coup, c'est eux qui ont gagné. Voilà, pas du tout dagué. Donc voilà, c'était vraiment assez sympa ce petit gameplay à la. À la Pharo. Voilà, dans la Pharo, elle est assez nerveuse. Moi, je vous la conseille si vous jouez vraiment à hardcore. Après, en MME, franchement, il n'y a pas besoin. Franchement, la. Elle est beaucoup moins efficace, vous allez voir si la différence elle est vraiment moins efficace. Voilà donc, si vous jouez en hardcore, franchement, là, la Pharo, je vous la conseille. Avec, mettez un peu, comme je vous avais vu en début de vidéo, les mêmes atouts, les mêmes accessoires, et vous verrez, franchement, ça passe vraiment crème. Après, bon, c'est moi qui joue un peu comme une merde. Et bon, vous allez voir que je suis Prestige 2. Voilà la première. Je vous avais déjà fait. Une vidéo, mais j'étais, je crois, prestigieux, un truc comme ça. Voilà. Donc, bref, quoi d'autre à part de vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, bon, tout ce que tu veux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de Call of, de GTA, de tout ce que tu veux. On s'en bat les couilles, tu t'abonnes, tu mets un like, et puis voilà, point final. Salut, salut!